En 105 avant Jésus-Christ, à la faveur d'un guet à Pan, Jugurtha est livré aux Romains par Bocchus, son beau-père, et jusque-là, son allié. Sylla ayant réussi à convaincre ce dernier d'acheter la paix en livrant lui-même Jugurtha. La Numidie est partagée. Sa partie occidentale est attribuée à Bocchus, roi de Mauritanie. Le reste est laissé sous l'autorité d'un roi vassal de Rome. Bocchus reçoit le titre d'ami de Rome. La Numidie n'est pas annexée. Elle est cependant étroitement surveillée en devenant un royaume client de Rome. Les Romains placent sur le trône Gauda, fils légitime de Mastanabal. Marius est alors réélu consul en 105 avant Jésus-Christ, puis reçoit les honneurs du triomphe lorsqu'il retourne à Rome. Quant à Jugurtha, il meurt de faim, dans la prison de Tullianum, à Rome, vers 104 avant Jésus-Christ. Le conflit entre Rome et Jugurtha nous est surtout connu grâce à la guerre de Jugurtha. Bellum Jugurtinum, de l'historien romain Salluste.